Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur la chaîne Codalaya. Aujourd'hui, je vous fais mon petit point série. Ça fait 2 mois que je vous en ai pas fait. La dernière, je vous l'ai postée début juin. Donc là, je vais vous parler des séries que j'ai regardées en juin et juillet. Comme d'habitude, tout est réparti entre les séries que je regarde dans le cadre du Challenge Série 2016. Pour tous ceux que ça intéresse, le lien est sur mon blog, là, en dessous, dans la barre d'infos. Et à côté, on a les séries qui ne font pas partie du Challenge Série 2016 et que je vais vous présenter par la suite. Alors, je vais commencer par vous parler de Person of Interest. Je suis en ce moment en pleine saison 4 de Person of Interest. Donc, si vous me suivez sur mon blog, c'est une série que je regarde un petit peu par habitude, pas parce que je la kiffe, quoi que ce soit. C'est agréable à regarder, ça fait passer le temps. En général, on la regarde avec mon copain pendant que lui fait son vélo et moi je suis à côté. C'est sympa, mais je trouve un peu répétitif au niveau, vous avez le personnage interest du jour, voilà, on l'aide, machin, etc. Voilà. Sinon, c'est une série qui se laisse regarder, je suis en pleine saison 4, il y a encore la saison 5 qui a, je crois, une dizaine d'épisodes à regarder. J'imagine qu'on ira jusqu'au bout, mais voilà, c'est une série que je regarde vraiment dilettante, ça le restera à mon avis jusqu'au bout. J'ai quand même envie de la terminer parce que voilà, pour le principe, mais voilà, c'est pas une série qui, pour moi en tout cas, restera dans les annales. Ensuite, je vous parle de Star Wars Rebels que vous voyez ici derrière. Star Wars Rebels, qu'est-ce que c'est? C'est une série animée en 3D, donc qui, je crois, passe sur Disney XD, et donc qui vient d'achever la saison 2, et la saison 3 va bientôt commencer. Moi qui suis une fan absolue de Star Wars, voilà, je voulais absolument voir cette série que j'ai vraiment adorée, non seulement parce que, notamment la saison 1 a été écrite par Greg Wiseman, hein. Greg Wiseman, je le présente plus, hein, le créateur de Gargoyles, qui avait Young Justice, qui a fait le Spectacular Spider-Man et qui a notamment donc créé cette série-là, donc avec Disney. Donc nous suivons les tribulations d'une troupe de rebelles contrebandiers, donc qui sont composés de ceux que vous voyez derrière, donc vraiment ils sont un peu dispatchés, viennent de partout de la galaxie, et donc on suit un petit peu leur lutte contre l'Empire. Je crois que ça se passe, en que je dise pas de bêtises, avant l'épisode 4. Entre l'épisode 3 et l'épisode 4, du coup, quelque chose comme ça. L'ordre Jedi est décimé, là nous avons quand même un Jedi qui est donc Kanan derrière. Vous avez donc Ezra, vous avez Hera la toilette, mon personnage préféré. Vous avez Sabine la Mandalorienne, vous avez Zeb aussi, je sais plus du tout quelle race il est, enfin bref voilà. Et vous avez donc ces groupes de personnes qui luttent contre la rébellion, alors que voilà, c'est un peu la croix et la bannière, c'est un peu la merde dans la galaxie, hein. Et voilà, donc que dire de cette série? Moi j'ai pris un pied énorme, notamment à la fin de la saison 2, je ne veux rien spoiler. Mais la fin de cette saison 2, elle était... Et le trailer de la saison 3 envoie du lourd, puisque nous avons le retour d'un personnage qui est vraiment adoré par les fans de la saga, donc pas seulement la saga Star Wars, comment dire, des films, etc. Vraiment l'univers étendu qui avait été un petit peu balayé au moment du rachat de Star Wars, enfin de Lucasfilm par Disney. Et je parle notamment de la Mera Throne qui va apparaître dans la saison 3. Moi, il me reste enfin à regarder Clone Wars, que je n'ai pas vu à mon grand regret et à ma grande honte. Mais maintenant que j'ai Netflix et que toutes les saisons sont sur Netflix, je vais pouvoir binge-watcher tout ça. Ensuite, je vous parle de Zoo ou Zo, tout dépend de comment vous voulez le prononcer. C'est une toute petite série qui se passe de nos jours et c'est une série qui est adaptée d'un roman à suspense de James Patterson. Alors comme je vous le disais, c'est une toute petite série qui aurait pu passer inaperçue. Moi j'en ai entendu parler grâce à Morgane qui fait aussi des revues sur les séries, sur les films qu'elle regarde. Et je pense que je devrais lui dire merci parce que grâce à elle, sans elle, je n'aurais jamais entendu parler de cette série. Alors c'est une série qui peut paraître un peu cheap au niveau budget, quoique je suis pas forcément d'accord avec ça. En gros, on suit une troupe aussi assez hétéroclite. Les 4 ou 5 premiers épisodes prennent le temps justement pour que cette troupe que les personnes se joignent et se rentrent en contact, on va dire. Donc les quelques premiers épisodes, on les suit un petit peu un par un, chacun de leur côté, jusqu'au moment où ils vont former cette team. En gros, le pitch, c'est que
les animaux sur Terre sont devenus complètement frappadingues. Ils commencent à attaquer les humains de façon complètement bizarre, qui ne paraît pas naturelle. Et ces hommes, les héros et les héroïnes de cette histoire, en fait, se rendent compte que les animaux sont en train de changer et sont en train de se regrouper tous ensemble inter-espèces pour combattre les humains, pour essayer de reprendre en fait leur place sur cette terre. Cette troupe un petit peu hétéroclite, vous avez une journaliste, vous avez une agence secrète française, vous avez un directeur de safari, vous avez vraiment des gens complètement différents, vont se retrouver en plein milieu de tout ça et essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, comment pouvoir lutter contre ça et essayer d'échapper aussi aux gens qui les poursuivent, puisqu'ils se rendent compte que voilà, le problème est sans doute bien plus compliqué que ça. Alors donc c'est une série qui ne paye pas de mine, qui a, je crois, la première saison à une 13 ou 15 épisodes, quelque chose comme ça. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que justement ces animaux-là sont omniprésents dans la série, dans tous les épisodes. Et ce que j'ai aussi extrêmement apprécié, c'est que justement ils ne fassent pas trop appel à tout ce qui est animation 3D, effets spéciaux, etc. On a beaucoup en fait d'animaux qui sont, quand vous voyez des animaux, ce sont de vrais animaux. Quand vous voyez des lions, des tigres, des ours, etc., ils sont filmés avec de vrais animaux. Et du coup, ça donne un petit côté encore plus angoissant, je trouve, parce que justement, on trouve pas ce côté digital et ce côté SFX qui aurait pu lui donner un côté moins réel. Après, elle tombe quand même dans des travers des fois. Par exemple, il y a un épisode où ils sont censés aller chercher un bébé guépard et le seul bébé qu'ils ont trouvé, c'est pas du tout un bébé guépard. Ils sont en train d'essayer de nous faire passer un bébé serval pour un bébé guépard, voilà. Donc pour tous ceux qui connaîtront à quoi ça ressemble un guépard, ils se diront mais ils se foutent de notre gueule. Bref, en tout cas, sinon je trouve que les épisodes se tiennent plutôt bien au niveau, en tout cas moi j'ai trouvé que au niveau scénario et au niveau intrigue, rebondissement, etc., ça tient plutôt pas mal debout. J'ai vraiment envie aussi de découvrir le bouquin dont ça a été tiré, en espérant qu'ils n'ont pas forcément tout exploité, tout vendu dans la série. Mais je trouve que franchement, ça se laisse regarder et j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre. Ensuite, j'ai commencé cette nouvelle série qui s'appelle Bates Motel, que vous pouvez voir derrière moi. Et Bates Motel, de quoi ça parle? Ça parle en fait de la jeunesse de Norman Bates, qui, peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas, qui est en fait le tueur du film c'est Psychose de Alfred Hitchcock. Donc ici, on suit Norman et sa mère, Norma, elle a eu du flair pour retrouver le nom de son fils, qui, après les péripéties que vous découvrez au tout début de l'épisode 1, décide de partir et de recommencer leur vie à zéro. Norma a acheté un motel qu'elle va gérer un petit peu, comme vous voyez dans le film d'Hitchcock. Norman a hérité de cet hôtel et continue justement. Norman a hérité de cet hôtel et continue donc à gérer le motel. Et donc là, nous avons un petit peu comme si c'était un prequel en fait de Psychose. Sauf que ça ne se passe pas dans les années 40 ou 50 comme ça pourrait être si c'était vraiment un prequel de Hypnose. Là, nous avons en fait une série qui se passe à notre époque, hein. Vous avez Norman qui va à l'école du coin, qui a un téléphone portable, qui a des potes, ça ne se passe pas du tout dans les années 50, contrairement à ce que on pourrait penser en regardant justement un petit peu l'iconographie de cette série. Vous avez vraiment une touche quand même années 50 dans tout la série, mais en tout cas elle se passe de nos jours, donc ça peut donner vraiment un truc un peu bizarre. Moi, qu'est-ce que j'ai pensé? À tout vous avouer, pour l'instant je n'ai regardé que le premier épisode, et même si franchement j'adore le pitch de la série, essayer de comprendre psychologiquement comment Norman Bates est devenu le Norman Bates de Psychose, et cette espèce de relation malsaine qu'il a avec sa mère, je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que voilà, on est vraiment à fond dans la psychologie du personnage, comment est-ce que cette relation va devenir malsaine, comment elle est une mère un peu castratrice, et comment elle va vraiment phagocyter son fils, et de l'autre côté, comment lui il va essayer à la fois de vivre une vie normale, et comment il va vraiment, comment il va devenir complètement dérangé, quoi. Et j'avoue que malgré ça,
C'est une série que je pense que je continuerai, mais je pense que je vais la mettre en pause parce que, je sais pas, pour ceux qui ont vu la série, ou en tout cas ce premier épisode, il y a un truc qui se passe dans cette série-là qui, moi, m'a fait extrêmement mal. En fait, je sais pas, j'ai un peu peur de continuer à la regarder parce qu'elle est extrêmement crue. Et voilà, elle m'a un peu impressionnée pour le premier épisode et je pense que j'ai pas forcément envie de regarder ça en ce moment, même si je pense que je continuerai à regarder plus tard quand je serai un petit peu plus psychologiquement préparée en fait à continuer. Alors on continue et on finit ce challenge série 2016. Là, je vous présente H2O, c'est une série australienne donc avec des sirènes. Bon, ça paraît vraiment pas H2O, c'est trop génial. Ça parlera sans doute à beaucoup d'entre vous qui ont regardé ça un peu en dilettante ou un petit peu de façon assidu sur, je crois que ça devait être France 2 ou France 3, peut-être que ça passait. Moi, j'ai découvert ça sur Netflix, et moi qui dis série avec sirène, en plus les épisodes durent 20 minutes. Ouais, je pense que c'était tout simplement ce dont j'avais besoin en ce moment, un truc un petit peu light, un petit peu ado. Et ça a rappelé mon amour pour les sirènes. Moi, vous avez peut-être vu ma précédente vidéo où je vous présentais cette série. Là, j'ai terminé donc les 3 saisons de cette série-ci, H2O. Qu'est-ce que je pourrais en dire? Ça a correspondu exactement à ce que j'en attendais. Voilà, une série vraiment light. Il fait beau, il fait chaud. On a l'impression que la température de l'eau est à 33 degrés. C'est absolument magnifique. Et voilà, vous avez des sirènes, vous avez des jolies images. Voilà, c'est assez répétitif, hein, mine de rien. Mais voilà, vous avez une espèce de, je veux dire, de bromance avec des filles, de sistermans, ça n'existe pas ça. Voilà, un groupe de copines qui donc partagent ce secret ensemble. Donc ce sont des humaines qui, dans le premier épisode, se font transformer par mégarde en sirène, ce qui va différer de Mako Mermaids dont je parlais juste après. Mais globalement, franchement, ça m'a fait du bien, je dois dire. J'avais eu besoin d'un petit peu de light dans les séries que j'ai regardées, et ça a complètement rempli son rôle. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Sinon, bah oui, il y a des épisodes un petit peu en dessous qui sont assez cucu, assez faciles. Maintenant, je trouve que globalement, la série, ça se regarde, 20 minutes par-ci par-là. Je pense que, ben moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de regarder H2O. Je sais pas si vous aviez regardé, ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai plutôt de... Ensuite, nous sortons du challenge série 2016. Par contre, nous restons avec les sirènes puisque j'ai commencé, merci Netflix, à regarder la série Mako Mermaids, qui est en fait une espèce de spin-off, de suite sans être une suite, un truc qui se passe dans le même univers que H2O, et donc avec des sirènes que vous pouvez voir derrière. Et ça change légèrement puisque de 1, on n'a pas du tout les mêmes personnages que dans H2O. De 2, dans H2O, c'était des humains qui se transformaient en sirènes. Là, on a vraiment un peuple, enfin on a de vraies sirènes en fait qui tournaient autour de Mako Island, enfin de l'île de Mako, et qui habitaient là. Et du fait de la présence de ce garçon que vous voyez là derrière, de Zach, qui lui va être un humain qui va tomber dans la moon pool, enfin je sais pas, dans le bassin lunaire, qui va se transformer en triton. Donc nous avons enfin des garçons, des mermen, comme ils appellent ça, des tritons. Ce sont pas que des filles. Et donc du coup, l'intrigue, elle s'ouvre un tout petit peu plus. On a cette fois-ci des intrigues légèrement différentes puisqu'on a des sirènes qui vont essayer de s'adapter à la vie humaine parce qu'elles sont pas du tout préparées à ça. Alors des gens, c'est un peu, on est plus peut-être dans la petite sirène, dans la façon dont les sirènes vont appréhender le monde humain, on va dire. Donc elles sont pas là pour brosser des coquillages, hein, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça change un petit peu, on a des garçons, un peu plus de garçons dans cette série-là qui étaient beaucoup plus féminine peut-être. Les enjeux sont différents, les personnages sont différents. D'ailleurs, les personnages sont différents entre chaque saison, ce qui est des fois un petit peu perturbant, je dois dire, surtout quand on a fini par s'attacher à des personnages et on voit qu'ils sont plus là la saison d'après, ça fait un petit peu
compliqué parce que bah il nous faut 5, 6, 7 épisodes pour se rattacher au nouveau en disant que voilà ceux d'avant ils nous manquent un petit peu, ils auraient été quand même, on aurait bien aimé pouvoir les suivre un petit peu plus. Maintenant cela dit, elle est toujours en cours, je crois. On va être à la saison peut-être 4, saison 4 ou 5. Là pour l'instant il n'y a que les 3 premières saisons qui sont disponibles sur Netflix. Donc ça va encore continuer et moi je ne demande que ça, filez-moi vos sirènes, moi j'attends que ça. Allez-y. On continue avec une autre série Netflix que je suis en train de regarder, j'ai pas encore terminé. Il s'agit du reboot, remake de Voltron, que vous voyez là derrière, qui a été fait par DreamWorks en collaboration, voilà, avec Netflix. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Voltron c'est un dessin animé des années fin 70, début 80, ça a été un de mes dessins animés préférés quand j'étais gamine, j'ai encore le 45 tours avec moi, c'est pour vous dire, de tous les 45 tours que j'avais, j'ai encore celui-ci et c'est le seul que j'ai encore. Voltron, hein. Donc c'est un robot géant qui est un petit peu comme un Power Ranger, si vous voyez le genre. Ça se passe dans le futur, l'univers est attaqué par des extraterrestres. Vous avez donc Voltron qui est un robot géant qui est donc composé de 5 lions, qui est en fait une espèce d'arme qui a été cachée justement pour le cacher à ces extraterrestres malveillants. Et des paladins donc qui viennent de la Terre vont réveiller les lions et qui vont reconstituer Voltron et essayer de sauver l'univers et leur planète en l'occurrence de ces méchants extraterrestres dont j'ai oublié le nom. Alors, il faut savoir que je connais un petit peu l'équipe qui a fait ce dessin animé-là. C'est des gens que je suis depuis extrêmement longtemps et c'est la même équipe en fait qui a fait Legend of Korra. Enfin, en tout cas, pas forcément les créateurs de Legend of Korra, mais ceux qui ont fait les producteurs exécutifs et aussi la team coréenne qui a fait l'animation. Donc voilà, c'est une animation qui est extrêmement riche, qui est très très dynamique, qui est très bien animée. Et en plus, voilà, ce sont des gens dont j'aime le travail et je suis vraiment contente de voir que, voilà, ils continuent à bosser et ils ont fait quelque chose de plutôt simple. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais rajouter sur Voltron? J'avoue que, à part ça, ça casse pas trois pattes à un canard au niveau scénaristique, etc. Il n'y a pas de franche surprise, etc. Mais je trouve que ça passe plutôt bien. Toutes les transformations de Voltron sont en 3D, donc ça rajoute, une 3D avec un rendu 2D, donc ça change pas non plus. Il n'y a pas des espèces de mouvements de caméra qui font mal à la tête comme à l'époque on avait découvert la 3D qu'on a essayé d'en mettre dans la 2D. Voilà, c'est une série qui se regarde bien. Ça, je binge watch pas Voltron, mais j'avoue que de temps en temps, voilà, les épisodes sont quand même assez sympas. Les personnages sont attachants, même s'ils m'ont l'air un petit peu assez standardisés, stéréotypés. Mais bon, c'est un petit peu le genre qui veut ça. Mais voilà, c'est une série animée en tout cas qui est plutôt sympa à regarder. Et je termine avec Game of Thrones, le trône de fer. Alors je vous parle là, je tourne dimanche. Hier soir, on a regardé le 9e épisode de la saison 6. Alors pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je ne spoilerai pas, il n'y a pas de souci. Je remarque juste certaines choses en fait. J'aime beaucoup cette saison 6 parce que je trouve qu'elle est moins dans le surplus et dans le trop plein de cul et de sang par rapport à aux saisons précédentes. Encore que l'épisode 9 là de la saison 6, on a eu notre lot de dégueulasserie. Encore moi, ça ne me gêne pas trop puisque je me cache derrière mon plaid pour pouvoir regarder la série. J'aime beaucoup en fait cette saison 6, alors que je pense, j'avais cru comprendre que au contraire, elle était peut-être un petit peu moins aimée, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que les filles prennent un petit peu plus de place, il y en a que ça l'aide. Mais voilà, c'est une série franchement que je pensais arrêter avant, parce que j'étais un petit peu lassée, et en fait, j'avoue que ça se regarde bien, ça se regarde toujours bien, et puis il y a de plus en plus de choses qui se passent, et des choses qui moi me plaisent. Donc voilà, je suis plutôt contente. J'aurais juste une petite remarque. Alors je sais pas, ça remet pas en cause tout ce que je viens de vous dire, mais je me demande pourquoi, en fait, dans chacune des saisons, pardon, l'épisode du climax, l'épisode où il se passe le plus de trucs, c'est l'épisode 9. Vous verrez, hein, vous regarderez dans chacune des saisons, le truc le plus important de la saison se passe à l'épisode 9. Et ça redescend après donc l'épisode 10 qui est un petit peu du coup moins rythmé et moins
voilà. Peut-être pour ensuite enchaîner pour après avec la saison d'après, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il y a ce climax, ce top à l'épisode 9 et hop ça redescend à l'épisode 10. J'ai remarqué ça, je trouve ça assez étrange comme construction du coup. On a tendance à justement vouloir que la mayonnaise se monte jusqu'au dernier épisode. Au dernier épisode, il se passe un truc qui va vous accrocher, le cliffhanger de ouf de la fin de saison. Et puis voilà, alors que là, c'est pas du tout la même construction. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais en tout cas, moi, c'est un truc qui m'a un petit peu interrogé. Voilà. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo sur les séries télé. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir ce que vous avez regardé ces deux derniers mois. Est-ce que voilà la fin des séries à la fin du mois de mai-juin, ça vous a un petit peu attristé? Est-ce que pendant l'été, vous regardez autre chose? Vous rattrapez justement les séries que vous avez un peu laissées de côté pendant toute l'année? Bah, qu'est-ce que vous aimez bien regarder? Qu'est-ce que vous aimez comme série? Ça, je serais vraiment curieuse de voir ça. Moi, j'attends avec impatience que Grimm reprenne au mois d'octobre, je crois. Et bah, pour moi, toujours l'été, c'est le moment où je vais un peu rattraper des séries que j'ai pas forcément, qui sont un petit peu dans ma besace, que j'aimerais bien reprendre, ou que j'aimerais bien rattraper. Voilà, je suis plutôt contente en tout cas de mon challenge série 2016, ça avance bien. J'avais aussi fait le choix de privilégier aussi des séries qui sont autour de 10 épisodes la saison. Je trouve ça un petit peu plus facile à gérer que des saisons qui n'en finissent pas. Bref, voilà, comme je vous disais, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, de bonnes séries, de bons bouquins, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sabre laser ou blaster? Sabre laser. Question contre.